Avec Maître Tacita qui est bon, nous détimo à ce décapement à Jodila. Bonjour, Mister. Bien, bonjour. Donc, nous sommes dans le deuxième manche à pousser à M. Doumouta. C'est vrai que nous sommes très surpris par tout nous à pousser là, puisque finalement, tous les avocats qui étaient là étaient conscients que c'était un procès qui était une inspiration politique. Il s'agit des poursuites de Mouta à la suite à un traquenard qu'il a fait rentrer dedans. Montrant que Bouglat était là et qu'il était frappé parce que c'est un leader pour le Guadeloupe. Et leader là, ça, le fait qu'on a frappé, qu'on a fermé, qu'on a mis un grand à la vue, qu'on a poursuivi lui, c'était un genre pour affaiblir prestige et affaiblir ce qu'il a représenté en l'esprit à Guadeloupe. Maintenant, effectivement, nous démontrer que c'est un procès politique et nous démontrer que c'est un procès escamoté, puisque en cours de route, pour qu'il ait là, sans gifle, fusil à l'épaule, nous étions partis sous des faits de rébellion, ça bat Chimbé. Ensuite, ça partit sous le fait que. Il était estimé qu'il était opposé aux résistances et c'est voté braille. Mais qualification à Baté Kakembe, donc à la fin, finalement, il parlait de violences en général. Ça qui m'a correspondre à l'incrimination là, parce que le cas convoqué au tribunal, sous la base de l'article 755 du Code de procédure pénale et 390-1, il faut dire que là, précisément, quand on a reproché, il faut que le tribunal a saisi de ça et qu'on a reproché là réellement. Donc en fait, pour qu'il ait finalement, pour sauver, il dit qu'on s'acquiert. Il faut considérer que la police, ces policiers-là, saboté le dossier et qu'ils ne peuvent pas comprendre, que même qu'ils font une enquête interne parce que les policiers sabotent le dossier pour qu'il est là. Alors, moi, ça, on peut dire, c'est que là, nous arrivés dans le cadre de la vue-là, nous on nous compte que l'élite a senti tellement gaz lacrymogène que tout ça est bien comme gaz lacrymogène. C'est impossible à faire que même dans la sécurité gaz lacrymogène, tu peux attaquer la police et faire violence contre la police. Donc, manifestement, c'est des critères de vraisemblance qui peut être la route. Des critères simplement, même pas juridiques, hein, mais des critères de logique qui fait qu'en conséquence de quoi, pour qu'il ait abandonné un premier chef de poursuite qui s'est effectivement refusé de bailler un point de taille. Un second chef-là, il m'en est en 3000 euros. Mais là, on a fait tout ça, déployer tout ça moyen, et comme les 3000 euros dans le monde, nous presque peut considérer que c'est que vous-même vous considérez que ça a dit par Kakembe la route. Et finalement, nous avons plaidé, on l'a total, non pas au bénéfice du doute. Mais on l'a sauté puisque les éléments qui ont constitué l'infraction là, à savoir, un, le fait qu'il ait fait violence contre le gendarme, deux, le fait qu'il ait été attaqué, trois, le fait qu'il ait été brisé en barrage, ça n'a pas été une consistance juridique. Donc effectivement, nous rentrons dans d'autres champs qui sont en champ politique pour expliquer qu'en réalité, s'il n'y a pas un procès juridique, c'est un procès politique. Et que le procès politique là, ça, c'était procès à le fait que le gouvernement qui a fait M. Doumouta et le KPI depuis un certain nombre de temps est l'alternative. À la qui a contesté politique là, et qui a offert peuple Guadeloupe pour notre perspective, pour notre rêve, qui c'est rêve à total et plein émancipation, hein, tant du point de vue culturel que social et que politique. Et donc nous sommes très, très attentifs à la réponse à ce qu'il a fait là. Parce que nous savons que si vous voyez qu'on a condamné l'élite Mouta, ça veut dire que finalement le pouvoir à travers pour qu'il est là, qu'a souhaité prendre la justice et instrumentaliser. À l'encontre de la contestation sociale. Et nous bien dit pour qu'il y ait là que si effectivement ça était syncrétiste dans le débat contradictoire, chaque monde en relaie, en tout respect, mais il faut aussi savoir qu'il n'y a pas question pour nous d'accepter des procès politiques ou là qu'on a des réponses politiques et sociales à la souffrance en peuple ou essayer de faire en sorte de sévérer le tribunal là pour brimer. Donc nous sommes très attentifs à ça puisqu'il y a des autres procès. Et nous, en tant qu'avocats, en tant que collectif, avec l'avocat français qui était là, Maître Boingrad et Maître Bourdon, nous présents, nous toujours présents à aller travailler. Mais surtout vous, Maître Tacita, nous voulons bien défendre aussi parce que depuis pour qui est là, déjà qu'il y a en l'eau, mauvaise note pour M. Doumouta, et bien vous expliquez que là que nous avons marché là, jour là, 30 décembre là, que vous, sans côté, qu'on a l'habitude de passer, hein, et que sans côté, il n'y a pas pour des barrages à police qui était là, à partir de barrages à gendarmes qui était là, que M. contrairement à ça, il y a eu un rapport à ça pour qu'il ait travaillé. Mais vous dites que c'est des travaux qui étaient là, et effectivement, vous expliquez que Glo a monté les derniers, maintenant il y a plein Glo, pas si petit Pérou là. Sans côté, quand on fait vous, on passe pour tous les matins, donc on savait que c'est baillet, c'est baillet à travaux. Et c'est des bailleurs de travaux qui sont arrivés à peu près à niveau à Cussau. Donc là, on va dans le dossier posé par le cas, c'est qu'il y a débarré bailleurs à police. C'est pas vrai ça. Et ça seulement, c'est seulement intéressant parce que le cas dit qu'il y a eu des mobiliers urbains. Pas mobilier urbain. C'est mobilier à entreprise privée qui a fait travaux et qui était là par hasard. Et qu'est-ce qu'il fait? En réalité, qu'est-ce qu'il fait? C'est que
peut-être que les forces de l'ordre essayent de servir vers ça pour faire un barrage. Mais le problème qui est posé, c'est qu'à un dossier-là, nous ne pouvons pas trouver consommation des dispersements. Or, depuis 1954, la Cour de cassation a demandé à la chambre criminelle dit qu'on sait que l'ordre pas ni ordre de disperser et que l'ordre là, ce n'est pas objectif, eh bien, toute répression qu'on peut faire, c'est totalement irrégulier ici parce que ça va contre le grand principe qui c'est la liberté de manifester. On ne peut pas brimer un peu culturellement, brimer historiquement et que l'air qui a manifesté sereinement de façon pacifique ou qu'a brimé. Ça veut dire que vous, mais moi, dans la logique, au lieu que le problème n'a pas l'effet qu'il est violent, le problème c'est discours. Or, le quoi combat discours en homme, il faut se combattre de discours à discours et non pas de discours à violence. Il est bon. Et puis, je là, c'était la seconde manche à pousser à Élie. Mais pour nous-mêmes, nous pas considérer que c'est suite à de multiples manches et que c'est une dot. Et nous bien dit dès le départ, c'est-à-dire à partir de répression qui fait en fin 2021, bien dit que nous étions dans une répression politique contre le monde social, contre le monde d'humanité, d'égalité, de justice. Et nous politiquement, mais là, c'est politiquement la politique aérie, ça veut dire les bidets mesquins. Et ça qui arrive au soir, c'est que nous étions dans une pièce théâtre au soir. Nous entrons en tant qu'avocat, nous devons dans une pièce théâtre, à nos films, à nos dessins animés. Qui veut dire au départ, nous signons des poursuites qui ont articulé en l'air le fait que leur voix n'a pas convoqué mon tribunal, à les papiers là, on pas mon là, faut mon attendre à ce que l'infraction là qu'ils ont jugé là. C'est celle-là qui est évoquée là. Parce qu'il faut y préparer avec avocats, avec syndicats, avec peuples. Il faut y pareil. Il ne peut pas convoquer par exemple pour un vol et là on va arriver, il va dire pour juger pour viol. Il ne peut pas convoquer pour un habit de confiance et là on va arriver, il va se mener ce qu'on va en mon coup. Et effectivement, devant cette situation là, les populaires se sont mêlés. Ils disent mais oui, mais finalement, je demande la requalification. Nous disons non, suspension d'audience. Et ensemble, les avocats qui là, et singulièrement les avocats qui étaient les camarades de combat qui viennent de Paris, M. Bringard et M. Boudot, de démontrer que mais c'était un qui m'a foutu ça. C'était un piège. Et en réalité, ça qui reste, c'est que là, on voit pour qu'il ait été mêlé. Il dit mais finalement, on m'a trahi, les policiers m'ont trahi. Apparemment, si Bougard fait une procédure. Là, pour qu'il ait fait une procédure, il signe des collaborateurs qui travaillent en instruction. Il parle qu'il y a un officier policier. Il vient au tribunal là, il dit propre officier est gouillonné. Et il a demandé enquête. Ça veut dire, camarade, que c'est un moment, nous avons dit, mais c'est un moment grave. Ça grave pour trois raisons. D'abord parce que là, on voyait frapper lui, et il crée tout de suite. Donc, moi, je viens dans le commissariat là. Ensuite, Evita vient, ensuite, et j'ai la balle, vient, ensuite, et Sarah vient. Et nous constatons que nous ne pouvons pas même qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il dit des capiques, gaz lacrymogène. Si on nous a pleuré, nous ne pouvons pas respirer, les policiers ont même été gênés. Ça veut dire qu'on peut comme ça, qu'il y a un gazé comme ça, il ne peut pas attaquer les policiers. Ou quand gazé, ou quand mettre à terre, ou quand il y a des violences, mais ça va sérieux, normal. Ça va sérieux. Et là, nous trouvons que c'est un insulte d'intelligence en nous. Deuxième idée qui est intéressante, c'est que là, les débats ont déroulé. Nous contre finalement, ou sinon nous qui capte, ou lancer un procès, on capte qui, ou quasi, excusez-moi, avant de voir, ça va rien dans ça. Non, vous avez essayé de faire. Il a essayé de sembler notre dossier pour frapper nous. Mais en réalité, camarade, le problème là, c'est qu'au fond, le vrai débat, c'est que Élie, et à travers Élie collectif là, porte un discours alternatif à ce discours là avec des Catalans. Des Catalans, point piqué, pas manifesté, confiné, caché, paix, mort. C'était ça, oh. C'était caché par confinement. Or, les mouvements ouvriers, les mouvements qui tirent, les syndicats qui sont au combat, quand ils ont fait les images, il faut nous réfléchir. Nous tenons culture, nous tenons réflexion, nous tenons historique. Et à partir de ça, nous avons fait pour l'esprit critique, nous avons fait vertical et nous avons fait un discours alternatif. Et ça qui fait, c'est que le peuple prend. Nous là, messieurs. Nous là. Est-ce que nous là? Nous là. Ça veut dire que le discours là, quand il est rapporté là, eh bien, il portait. Il portait en termes de droit fondamental, en termes de liberté fondamentale, et portait également en termes de logique juridique. Et ça, l'État français ne peut pas supporter ça. Donc il faut être frappé, mon là, qui est symbolisé, ça, camarade. Et ça qui fait. Or, quand il a constaté, c'est que depuis tant et tant, bien tout ça qui fait, on en est, camarade, que nous avons là. On en est, nous, t'as en juillet.
C'est-à-dire qu'à donner, nous avons manifesté. Et surtout, nous constatons que tout ça nous dégradit en les effets secondaires. En la privation des libertés fondamentales. En est aussi, tout dégât ça fait en termes d'éducation scolaire. Eh bien, à présent, en fonctionnement de ça. Il y a une commission sénatoriale qui réunit ça. Ça veut dire que nous avons fini raison, camarades. Et que combat que les Guadeloupe est mené, combat que deux mots terminé, combat que le système mené, sont un combat qui vient neuf, on farde. Et c'est ça, le problème que nous avons fait, nous, c'est que, en tant que Sénat Guadeloupe, nous ne pouvons pas être fort. On nous sait le fort, camarades. De même qu'en 2009, nous étions le fort pour effectivement le président arabe, je veux encore, vous devez nous le fort en termes de pensée alternative à la pensée d'État et à la pensée unique. Donc, camarades, que Sénat dans le procès, nous parler, pour qui viennent nous parler? Nous parler parce qu'effectivement, c'est nos leaders qui parlent. Non, c'est les leaders de Mouta. Nous parler parce qu'il y a un collectif qui parle. Et nous parler parce qu'ils ont parlé. Donc, camarades, vous allez continuer comme ça. Je vous remercie, nous payons vos jours.